Guten Abend. Bonsoir. La Grande-Bretagne a lancé un test concernant une société sans argent liquide. Une rue commerçante à Manchester a banni l'argent liquide. Ceci a lieu dans le cadre d'une expérience pour voir si les Britanniques vont accepter une société sans argent liquide. De plus, depuis le 6 juillet 2014, dans aucun des bus de Londres, on n'accepte d'argent liquide. On s'attend à ce que l'argent liquide disparaisse dans les 20 prochaines années. L'abolition de l'argent liquide équivaut à l'abolition de la liberté en ce qu'elle rend possible une surveillance complète. En outre, dans une société sans argent liquide, des citoyens critiques vis-à-vis du système verraient leur survie menacée parce que leurs comptes pourraient être bloqués. Ainsi, ils pourraient se voir contraints d'accepter sans condition des décisions qui ne respectent pas l'homme et qui sont contraires à leur conscience. À ce sujet, voici une citation de Benjamin Franklin. « Celui qui abandonne la liberté pour gagner la sécurité, à la fin, il perdra l'une et l'autre. »